Comment les acteurs font au cinéma pour interpréter des personnages comme Gollum ou encore les avatars? Eh ben ils utilisent la motion capture. Pour Wheel of Cinema, je suis allé chez Mocap Lab, une société spécialisée dans la mocap, comme ils l'appellent. Un acteur, c'est quelqu'un qui bouge, donc soit on l'enregistre avec des vraies caméras, soit on veut faire un personnage qui n'est pas forcément existant, comme un Gollum ou comme un avatar ou comme un King Kong. Et donc on enregistre un acteur et on met ses mouvements sur un personnage 3D. Comment ça marche? La principale technologie qu'on utilise, c'est des caméras. Donc on met plein de caméras autour de la scène, on met des petits marqueurs sur le corps comme ça, des petites boules de mousse recouvertes d'un papier spécial. On en met une cinquantaine sur le corps et grâce à toutes ces caméras, on arrive à voir la trajectoire de chaque point dans l'espace. Tous ces 50 points dirigent un squelette 3D d'un personnage 3D. Globalement, on prend le mouvement d'un acteur et on le met sur un personnage 3D. Sur quel film on peut voir votre travail? Renaissance, le premier long métrage européen avec de la mocap. Le dernier Astérix pour faire des foules de Gaulois, de Romains qui se battaient, ou sur Chocolat, le Valérian aussi, on est intervenu un petit peu. Ou John Wick, il n'y a pas longtemps, mais c'est plus des personnages secondaires. Les personnages principaux, c'est quand on fait des films full mocap. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Ah non, mais je me prépare pour Avatar 3, là. Ouais, ben on fait comme on peut.